Ok, salutations à tout le monde et à tous, que Dieu vous bénisse. On est ensemble, Fouité, ouais, c'est Thierry Zo. Grand merci au capitaine des SGI de Côte d'Ivoire et de la diaspora, Azara Paoun, qui a fait ses preuves de capitaine, qui a rassemblé plus de 1000 SGI, voilà, pour converger vers le lieu de l'accident de notre fils Iran et aller faire les condoléances à toute la grande famille d'Arafat. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont effectué le déplacement, qui permettent que tout le monde rentre à la maison comme je suis entré à la maison. Que Dieu bénisse ça. Et le mouvement Zigéi est en tas. Donc à nous de pouvoir continuer à être solidaires. À nous de faire de telle sorte que les Zigéi, le mouvement avance. Merci aux Zigéi positifs. On est ensemble. Merci de nous écouter. Merci d'écouter tout ce que nous entreprenons ensemble. Que Dieu vous bénisse. Mais en dépit de ce truc-là, je viens de voir sur les réseaux sociaux, il y a Safarel. Avec Ariel Chéné qui annonce officiellement. Bon, pour Safarel, j'ai vu la vidéo. Pour Ariel Chéné, j'ai vu un message qui dit qu'ils ne seront pas de la partie. Bon, je pense que c'est dans la veillée, c'est dans le funérail qu'on règle les problèmes. Safarel, toi, mon petit, tu m'as toujours respecté. Diète Ligourou. Moi, Diète Ligourou va te donner un bon conseil, mon petit. Tu n'aurais pas dû faire la vidéo pour dire non que le comité d'organisation vient tant dit que tu ne dois pas venir. Et la Chine ne veut pas te voir là-bas et puis tu dois rester dans ton coin. Et tu as dit aux gens que tu ne seras pas là-bas. Tu vois, en quelque sorte, c'est comme si tu es en train de boycotter le mouvement. Même si tu ne vas pas venir là, tu restes dans ton courant, Gaïo, et puis tu restes chez toi en piste. C'était mieux que tu annonces ça officiellement, que toi, tu ne serais pas là-bas. Et puis tu appelles la Chine, tu appelles les fans de Bordeaux, toi-même tes fans et tout. Non, non, non. Moi, je pense que plutôt, tu dois te rabaisser. Tu dois faire une vidéo où tu es en train de demander pardon à la Chine officiellement. Tu demandes pardon à la Chine officiellement et puis pardon au comité d'organisation. Ah, vraiment, en dépit de tout, le coupé décalé, nous, on connaît le coupé décalé, c'est clash, le coupé décalé, c'est les royas qui amènent le coupé décalé devant. Voilà, moi, je dis, vous n'avez pas pu tuer le discours, il aurait parti brutalement. Toi, tu n'as pas fait sortir vidéo à 2 jours de son mouvement pour raconter des conneries, quoi. Moi, je suis pas le lui, toi, mon petit, moi, il te dit ça, Didi Capo. Voilà, vidéo que tu dois faire, tu dois te rabaisser à ça. Voilà. Alors, Chéné, moi, je pense que c'est pas ça, et vu. Sinon, on a mine de rien, là. Tu n'as même pas le droit. Toi, tu dois trop à la Chine. Et puis, la Chine, là, qui a le mouvement de Yoro, là, c'est toi qui as le mouvement de Yoro dans la tête. Donc, là, tu dois faire une vidéo. La manière que tu es mis en genoux la dernière fois, là, tu dois te mettre en genoux comme ça. Et puis, demander pardon à la Chine officiellement. Demander pardon à la Chine que toi, ton vieux, tout, tu dis que à la fin, fait le voyage, mais toi, tu ne réponds pas. Donc, c'est une manière de sortir, à dire à la Chine, ah, vraiment, je m'excuse, je sais qu'il y a des bafous qui sont passés, mais je demande pardon à tout le monde de me laisser venir. Pleurer mon vieux père en direct. On t'a vu, tu pleurais sur la Métina. Ok. Donc là, ça ne serait même pas intéressant que vous restiez en dehors de ce mouvement. Ça ne serait pas intéressant que vous restiez en dehors de ce mouvement. Vous devez participer. Hein? Ça paraît doit être là. Arrêchez tout musicien, tout Moran Vogue, tous les gars, vous devez être là. Parce que si vous ne venez pas, c'est comme si vous boycottez le mouvement. Après l'entraînement d'Arafat, le coupé des galets continue. Les fans d'Arafat, les fans de la Chine et tout ça, là, vous allez les inviter dans votre spectacle. Ils vont rester où? Donc, vous, ce matin, vous allez faire ça cadeau maintenant. Quoi. Donc, là, mettez un peu d'eau dans votre vin. Et puis, essayez de faire une vidéo pour demander pardon à la Chine. Il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard. Voilà, il n'est pas encore tard. Et puis, vous allez prendre des sciences, bas sciences, on n'est pas dedans. Moi, je vous dis la vérité. Voilà. Je suis pas le Louis à ça. Hein. Que Dieu vous bénisse en ensemble. Fouité, salutations à la mère Esther. Salutations à Diamant Noir, salutations à Koukao. Salutations à mon vieux loup de Bayota. Zas Côte d'Ivoire. Salutations à Dezofa Fabidja. Salutations à tous ces depuis à Bobo, salutations à Vandam, salutations à tous les guides de Côte d'Ivoire et la diaspora, salutations à mon groupe WhatsApp, mon fils Karé Obiang, on est ensemble fouillé. Que Dieu vous bénisse, c'est Thierry Zo, ça chauffe pas. On est ensemble fouillé. Hey!
Bonsoir, mes frères. Bon, moi, je suis touché parce que la famille, c'est vrai, étant une ex-RAS, bonne arrivée. Merci. Je suis en contact avec Paul. J'avais de tout cœur, la que vous avez vu sur les écoles, il m'a défendu dans mes vidéos indiquées. Mon fils, à son âme, a vu mon évolution avec les idées. Hein, c'est lui qu'on dit, c'est une affaire. Donc, je pense qu'on ne va pas pleurer parce que ça. D'ici deux jours, il sera down, donc on va faire le show. Monsieur Zopo, mon petit talk, va vous mener le programme. Vraiment, bien ensemble. Et je vais vous dire quelque chose, il avait commencé une chanson, il n'a pas pu terminer, où il était en train de faire les exploits de sa maman. Il dit, ma maman marchait, c'était dans tout le mouvement des mouches, il avait vraiment mouché. Ça, ça m'a touché. Quand un artiste connaît sa maman qui fait le même métier et qui a son style particulier, peut-être c'est New York qui a fait que ça. On est resté ensemble. Donc, il y a Foki, on est ensemble dans la paix de la prière. Union de prière. Merci. Merci beaucoup. Merci, et je pense que ces mots que vous venez de recevoir de la part de sa mère est la preuve que nous constituons une famille. Nous constituons une famille et c'est touchant. Ne pleurez plus, cela veut dire que votre fils, votre ami, l'artiste, a plutôt besoin de beaucoup de prières pour que cette semaine, qui est une semaine importante, je dirais qu'à partir du 30, au stade que nous avons eu de 16h à l'autre, nous avons la veillée. Et cette veillée aura plusieurs contenus. Et nous pensons et nous souhaiterons que votre participation soit de taille. Parce que Didier est venu. C'est la preuve que sa mère vient de nous parler. Alors, le 31, nous avons la levée du corps. Dans le même stade, celui de l'Université au cimetière de l'Union civile. Que Dieu vous bénisse et que nous sommes tous unis. Je dirais quelque chose que il y a une nuée de pleurs qui plane ici les obsèques de nos enfants. Nous sommes chrétiens et nous croyons que tout se passera bien. Parce que notre enfant n'est pas là où les gens pensent. C'est pour dans le sein d'Abraham. Merci Adra et toute ta délégation. Que Dieu vous bénisse. Merci. Excusez-moi, vous avez envoyé les parties. Il faudrait que je dise un mot. Parce que tous ceux qui sont là, c'est moi leur Dieu Père. Il y a toujours le devancier dans la rue. Moi, c'est Nazaire Niagara. Si je suis venu avec eux, vous savez que la mère d'Arafat, elle est zidée. Ça, c'est une vieille mère, elle est zidée, ça date de longtemps. Donc, on ne peut pas voir ça et puis ne pas venir lui dire Yako. Qui s'appelle Didier, Dachis, Arafat, on est venu saluer pour dire il est nous. C'est un petit zidée en esprit, un zidée craclabo. Donc, voilà, famille qui est calée. Donc, voilà, c'est un parlement tranquille, non? Un bon d'engagement à toute la Côte d'Ivoire, à tous les adversaires plein. Voilà, donc voilà le sion qui est là, beau man. Donc voilà, donc c'est un diamant, je lui dis petit, repose en paix, en aide-toi, en l'esprit, en le cœur beau. Voilà, voilà comment ça y est. Il y a fouille. Voilà.